toute l'Assemblée, je remercie Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur pour sa venue à Washington, pour sa prise de fonction surtout. Et donc, j'ai une question. Son Excellence a démontré comment Son Excellence Ramanu Ouattara, le président Ramanu Ouattara, a procédé de façon diplomatique dans, avec beaucoup de pacifisme, je dirais, beaucoup de tact au niveau de la communauté internationale. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est arrivé au bout de la médiation, des bons offices, au bout de tout, si vous voulez, tout ce qu'il y a à faire au niveau des Nations Unies dans le cadre de la résolution des conflits au niveau de la Charte des Nations Unies. Je ne sais pas si on a épuisé toutes les voies de recours. Quelle sera l'étape suivante si d'aventure on arrive à un blocage, on arrive à la fin et à l'épuisement total des voies de recours au niveau des Nations Unies. Qu'est-ce qu'on prévoit puisqu'on est partisan, si vous voulez, en tant que membre du RDR ou du RHDP, je dirais, on est partisan, si vous voulez, de la non-violence et de la résolution sans arriver au conflit réel. Donc, quelle est la seconde étape qu'on pourrait envisager aujourd'hui? Je vous remercie. Merci. Je vais prendre une liste de 5 personnes. Oui, sans garde. Qui encore? Ok, d'après. Quelqu'un d'autre? Une femme. Excusez-moi. Ok. Ok. Sandaré? Oui, oui. Moi, j'avais une simple question. Bon, on espère qu'on ne va pas arriver à une guerre ou bien une. Avec une confrontation civile. Mais si on arrive là, si vraiment la CEDEAO doit intervenir, quelle est la place de ces braves gendarmes qui ont eu déjà à protéger le peuple? Et quelle est la place des forces nouvelles? En fait, quelle est la place de nos combattants qui sont sur le terrain au cours de ce combat? Voilà. Merci. Bakayoko? Oui, merci bien. Je voulais dire quelque chose, c'est que l'attitude actuelle du président sortant, donc, j'espère que ça ne surprend personne. Dans la salle ici, ça ne surprend personne. À plus forte raison, ça ne doit pas surprendre le RHDP. C'est le contraire qui nous aurait surpris. Si le premier jour on annonçait les résultats, que M. Babou avait appelé M. Alassane pour dire hey, félicitations, vous avez gagné, vous avez pu très bien travailler, votre campagne était parfaite, mais félicitations. Mais là, on n'est pas du tout surpris. Mais j'ai l'impression que le RHDP est surpris. Il n'avait pas prévu cette réaction de M. Babou. Et c'est ce qui nous amène jusqu'ici aujourd'hui. Et là, ce n'est pas fini encore, comme l'ambassadeur disait toujours. Ça va continuer, certainement ça va finir, mais au prix de combien de morts? Alors, vraiment, j'aimerais savoir si eux-mêmes, ils avaient prévu ça, cette réaction de M. Blanc. Okay. Son Excellence a parlé à engager le Congrès américain. Est-ce qu'il a une idée de comment le faire et en particulier à comment engager le Black Caucus ici, comment? Oh, pardon.
Et s'il a une idée, s'il peut la partager, de comment engager le Black Caucus ici, aux États-Unis. Ok. Son Excellence a aussi dit dans son intervention tout à l'heure qu'il était très inquiet pour la sécurité de nos compatriotes au pays, au niveau de la population elle-même. Qu'est-ce que le gouvernement Alassane Ouattara est en train de faire pratiquement pour protéger la population au pays contre les mercenaires? Merci, c'est, voilà, ça fait simple. Il y a Jean-Luc, la Sandaré, Bakayoko, Ama et puis Nokia. Merci, monsieur le modérateur. Merci pour cette question pertinente. En fait, c'est un débat, hein, ce n'est pas une conférence magistrale. Monsieur le ministre, je compte sur vous. Chacun, j'invite tout le monde à participer, à me compléter et pour qu'on puisse vraiment échanger largement et de sortir d'ici avoir une idée, une meilleure compréhension de la chose et puis avoir aussi une ligne d'action pour justement intégrer nos efforts et par le sens de la résolution de cette crise. Notre petite contribution en tout cas. Voilà. Donc vraiment c'est assez informel. C'est libre, sentez-vous libre d'intervenir, d'interrompre même, il n'y a pas de problème, c'est très fraternel. Voilà. Bien. Pour soigner, dans le cadre de la résolution de conflits, bien entendu, les étapes qui sont en cours s'inscrivent dans une dynamique. Et là, si vous voyez, nous sommes au stade des sanctions. Parce que les sanctions sont des instruments qui sont inscrits dans la charte, hein, qui sont au niveau, c'est sous le chapitre 7 de la charte, hein, tout ce qui a trait à la, comment gérer les menaces contre la paix, la réussite de la paix et les actes d'agression. Donc, mais c'est graduel, et c'est écrit dans la charte, que les sanctions vont jusqu'à à l'aboutissement qui est l'utilisation de la force. Alors, donc, c'est un. C'est un protocole, si vous voulez, qui s'exécute sur ce qui est échelonné, l'un après l'autre. On utilise tel instrument, ça ne marche pas, on monte la mesure jusqu'à l'utilisation de la force. Mais tout ça dans le cadre de la loi. C'est ça qui est l'intérêt. Alors, et là, quand on voit la configuration sur le terrain, la charte également des Nations Unies prévoit ça, parce qu'après le chapitre 7 qui parle donc de la comment gérer les menaces contre la paix, il y a ce qu'on appelle là, c'est le chapitre qui traite des accords de coopération et des arrangements institutionnels. L'accord de coopération, c'est pour utiliser justement les cadres institutionnels sous-régionaux, sous-régionaux. Et comme vous voyez sur le terrain, actuellement, la CDAO a pris les choses en main. Alors, la CDAO a pris les choses en main et c'est double trait. Il y a un côté la médiation et l'autre côté l'action militaire qui se prépare. Parce que lorsqu'on a décidé de faire l'action militaire, c'est maintenant on va. Non, ils sont déjà en train de se préparer. Il y a eu une réunion de chef d'état-major. Et c'est les militaires, chacun son travail. Et ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils attendent le feu vert des politiques pour aller. Voilà ce que je peux vous répondre. Mais encore une fois, contrairement à ce que dit le Cambago, ce n'est pas du complot, il n'y a rien. Mais c'est le droit international qui s'exerce. Nous sommes des gens du droit international, comme on dit, c'est-à-dire les États. De la même façon dont le droit interne règle les problèmes entre les citoyens qui sont des justiciables, de la même manière le droit international règle les relations entre les États et toutes les entités du droit international. Et nous sommes soumis à des règles, des lois. Également, là aussi, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, donc, on ne peut pas s'élever pour dire qu'on viole ou qu'on s'égère. Non. Et oui, Dieu est sur les rues. C'est reconnu. Il y a un devoir d'ingérence. Parce qu'il ne faut pas rester là les yeux fermés pendant qu'on tue des gens. Et comme j'ai dit, et tout le monde le sait,
les missions des Nations Unies aujourd'hui ont une